Ça, c'est le bol. Est centre sud. Ça, c'est le bol des petits. Ouais, il y a le pistache, il y a la viande, il y a le poisson. Et on mange avec quoi? Avec du couscous maillot, couscous maïs, le couscous mélangé. Le bol, ça vient de quoi une plante? Je vais me expliquer comment là. C'est une plante avec le, avec cette, on écrase un fruit. C'est ça qui donne le kanda. On fait une boucle. Donc c'est les bambeke, c'est le cuit, le bâton. Mais les gens du centre et l'est ont une boucle qu'on appelle kanda. C'est avec ça qu'on fait. Voilà. Non, non, non. J'ai mal peut-être parlé. C'est le couscous fait avec la sauce palmiste. La sauce avec le poisson. Pardon? La sauce là, on l'a fait. On fait bouillir juste les palmistes. Ça cuit à fond. Après, on pile dans un mortier et on extrait le jus. Bon, on mélange avec quelques condiments et on met un peu de coco. Ça, c'est une sauce bio alors? Oui, oui. Et on mange avec couscous frais. Vous célébrez le 8 mars. Oui, oui, on a commencé une semaine culturelle le 8 mars. On a d'abord fait une marche sportive. Après, c'était la foire gastronomique. D'accord. J'ai l'impression que vous avez du gombo à l'intérieur. Oui, il y a du gombo. Puisque pour manger du couscous, il faut quelque chose de nuant. Okay. Ouais, c'est une bonne sauce pour les diabétiques aussi. Je ne sais pas trop, mais je sais que c'est naturel. Oui, mais le palmiste, ça lave aussi les reins. C'est quoi ici, voilà. Le Lomba, l'Ouéa. De quoi? L'Ouéa. Et c'est quoi? C'est un mets à base de bongo. On appelle ça cuit à l'étouffé. En français, quoi. En patois, on appelle ça le Lomba. Le centre, le littoral, puisque c'est un mets à base. Dans le Lomba, se mange avec quoi? Avec du bâton, du manioc, du macabo, avec tout ce que vous voulez. Dans le couscous? Non, pas. C'est quel poisson en particulier? Ça, c'est les papillons. Ok. Poisson fait de l'huile. La mère, ça va se
fait dedans? Les obstacles bœufs. Bœuf, hein? Bœuf, comme on dit souvent. Et ça, c'est une sauce jaune de quelle région? Région de l'Ouest. Sauce jaune avec le taro. Ça va très bien avec du vin rouge aussi. Okay. Et on peut mettre d'autres obstacles. Oui, bien sûr. J'aime bien aussi le poisson fumé. Mélange poisson fumé et bœuf. On peut m'aller jusqu'au Cobapon si tu as des moyens, quoi. Vous avez découvert ou vous avez l'habitude de manger ça? Ok. Bon, dites-nous alors, le goût c'est comment? Bon, pour quelqu'un de l'Ouest. Ouais. Quand il goûte celui-ci, c'est à base de goût. On m'a expliqué. Est-ce qu'avec celui de l'Ouest, il y a une ressemblance? Non, non, au goût. Au goût. Au goût, ça te ressemble. C'est bon, le goût. D'accord. Ok, bon appétit à monsieur. C'est un mec de chez vous. Non. Vous découvrez aussi. Ok. D'accord. Bon appétit. Effectivement, ça nous ramène au temps de souvenir. D'accord. Bon appétit. Merci bien. Mesdames, bon appétit. Vous avez déjà mangé ça avant? Normalement, non. C'est la première fois. Et comment vous? Là c'est l'huile. Quand je finis d'extraire l'huile, je prends les doigts pour faire l'huile de palmiste. Ça c'est l'huile de palmiste noire, l'huile de palmiste blanche. Là c'est le nem. Nous n'en avons pas ça ici, ça sort de l'huile. Là c'est le karité, les fèves de cacao, le beurre de cacao, l'huile de citron, l'huile d'argan. L'huile de carotte et le savon noir venant de ça c'est typiquement camerounais. Non, moi je vois pas la bière. Oui, je vois le nom. Il y a même les draps. Oui, ça, tu as fait du travail. Tu as déjà travaillé. Ah, toi, tu manques pas le travail. 500 francs le litre. Ok. 500 francs le litre. 500 francs le litre. Donc, si vous en avez besoin, j'ai un contact là, vous appelez. Et le nem, c'est quoi la particularité du nem? J'entends parler, mais. La particularité du nem. Ah, je viens de nem.